Nos moments est venu des déclarations des députés London Fancher. Je me lève au nom des commettants qui font face à des défis pour accéder à des soins de santé. Sur une base hebdomadaire, ils sont préoccupés qu'ils n'ont pas accès à des soins primaires. J'ai parlé à un commettant de ma circonscription. Elle est heureuse d'avoir un médecin de famille, alors qu'un certain nombre de patients n'ont pas accès à un médecin de famille. Cette clinique a un taux de roulement important au cours des dernières années. Elle a eu trois infirmières, puis elle a embauché une autre infirmière. Lorsqu'on l'a demandé pourquoi une infirmière à temps partiel, on lui a dit que c'était un problème de financement. On sait très bien que les infirmières des cliniques d'infirmières pour que les gens accèdent aux soins primaires. Mais lorsqu'il n'y a pas de financement, qu'est-ce qui se passe? La condition sanitaire se détériore, doivent se présenter aux urgences. Aujourd'hui, je représente mes commettants de tous les Ontariens pour demander au gouvernement de s'engager à financer adéquatement toutes les cliniques dirigées par des infirmières. Déclaration de député. Aurora Oakridges, Richmond Hill. Merci, M. le Président. Cette semaine, c'est la semaine des PME. J'ai une possibilité de reconnaître et célébrer le travail des PME et des petits propriétaires de la province. Les PME sont l'épine dorsale de l'Ontario. 98 % des PME ont des employés, sont des PME. À partir de 2017, il y avait plus de 117 000 PME gérées par des novateurs, des créateurs d'emplois qui emploient plus de 2 000 Ontariens. Les PME sont la ligne de vie de la province. Voilà pourquoi nous vous souhaitons créer un milieu des affaires pour leur croissance. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier et saluer les PME et les propriétaires et les entrepreneurs, où qu'ils soient dans la province. Sans vous, la province ne serait pas dynamique aussi riche comme elle est aujourd'hui. Je voudrais remercier la Fédération des entreprises indépendantes pour célébrer les PME. J'encourage tout et chacun à participer à cette initiative nationale et démontrer votre appréciation des PME en allant dans une PME pour voir ce que ces entreprises ont à offrir et peut-être faire des affaires avec eux. Beaches Yorkes. Ma plus jeune fille, c'est les trans. Elle est née en 82 et le programme d'éducation sexuelle ne correspondait pas à ses besoins et aux besoins de leur famille. Elle a été intimidée par ses camarades de classe, ainsi que ses enseignants et les administrateurs. S'il y avait eu un programme scolaire adéquat, ce ne serait pas le cas. Je comprends la souffrance de ma fille et je pense qu'un grand nombre de queers feront l'objet d'intimidation parce que ce gouvernement a décidé de nous ramener au siècle dernier. Rachel Fletcher-Quam, c'est un leader et un commettant. Elle est brillante, réfléchie, articulée et elle souhaite avoir un programme adéquat qui reflète les valeurs du 21e siècle concernant le respect, le consentement. Il y a quelques jours, à la fin de tweet, je voudrais avoir une discussion avec la ministre de l'Éducation et le premier ministre concernant le programme d'éducation sexuelle. Je ne crois pas que ces personnes, que ces ministres ont parlé aux personnes après 1988. Matt Galloway a dit sur Twitter qu'il souhaiterait modérer cette discussion. J'espère que le premier ministre et la ministre de l'Éducation voudront accepter son offre. Je crois que ce serait une conversation sanitaire pour tout et chacun qui écoute. Merci. Député de Markham, Uniondale. Monsieur le Président, le 30 septembre, j'ai eu l'occasion de visiter
une exposition où plusieurs Canadiens post-guerre de 1945. Cette exposition a été réalisée par le Musée de la guerre du Canada. Les témoins de la Première Guerre mondiale ont enregistré leur expérience sur des bouts de papier et des schémas et des croquis. Des croquis de leur expérience au jour le jour sur le terrain et des maisons en ruine. L'impact, et cela, et peut-être qu'il y a une chanson. Où est-ce que les soldats sont allés il y a très longtemps? Où est-ce que les soldats sont allés il y a si longtemps? Où est-ce que les soldats sont allés dans les cimetières? Tous. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Nous avons beaucoup d'ententes, mais parfois, en cette chambre, parfois, on est en désaccord de façon civilisée. Qu'on ait la paix sur terre. Merci. Député de Meskijewaq, James Bay. Aujourd'hui, de prendre quelques minutes afin de reconnaître CKGN FM, une radio communautaire francophone de ma circonscription qui célèbre ses 25e anniversaire d'existence le 20 octobre. En effet, c'est le 20 octobre 1993 que CKGN FM prit des ondes à Kapuskasing pour desservir la région de Shrewsburg Falls à Opisatika. À ses tout premiers débuts, CKGN était écouté par 76 % de la population et possédait 60 % du marché. Aujourd'hui, 93,2 % des francophones de la région de Kapuskasing écoutent CKGN. Et consacrant plus d'une moyenne de 3,5 heures par jour. Ces chiffres démontrent très bien la place importante que prend cette radio francophone dans notre région. Quoique intéressé au monde extérieur, 90 % des nouvelles de CKGN sont le reflet de la région. Le conseil d'administration est appuyé dans son travail par des comités de ressources humaines, techniques, programmation et de levée de fonds. Ces comités assurent la viabilité de la radio. Je souhaite vous féliciter pour toutes ces belles années d'existence et je suis certain que votre présence dans notre communauté va continuer à battre son plein. Félicitations, CKGN. Merci. Mississauga Lakeshore. J'ai eu l'occasion récemment de parler à un dîner de collecte de fonds à Mississauga, où M. Ronald Colaco était l'invité conférencier. Je lui ai présenté un prix pour ses services à l'humanité. Lorsqu'il s'est marié à Jane en 1936, ils ont décidé de donner de l'argent aux organismes caritatifs. Au cours des 35 dernières années, ils ont donné des millions de dollars aux plus vulnérables, quelle que soit leur langue. C'est un pionnier qui a donné des infrastructures à l'avantage du public, que ce soit des hôpitaux, les routes, les services de police, les centres de réhabilitation. Je sais que tous les députés de cette Chambre sont d'accord que son travail et son dévouement et son engagement pour redonner à la société est une inspiration pour nous tous. Je voudrais l'honorer avec nous tous, avec le premier ministre, avec l'organisation Canary Vision in Queen's Park. Merci. Député de Niagara-Sound, merci, M. le Président. Ce n'est pas avec fierté parce que le niveau de gouvernement dans ma circonscription reçu comme un déshonneur. On a annoncé que le gagnant, que le code de l'Omerta dans le secret du gouvernement, ça a été donné par les journalistes et les journalistes. Pour ceux qui ont vu le niveau de secret
de l'administration municipale. Pour nous, ce n'est pas une surprise. La région a retardé l'accès à l'information et un manque de transparence concernant les dépenses des conseillers. Par le passé, la région a fait l'objet de deux enquêtes de l'empereur de l'Ombudsman concernant la saisie illégale des notes d'un journaliste pour influencer le rapport. Les leaders régionaux refusent de parler à la presse et l'Office de protection de la nature a été occupé par les conseillers à 4h30 du matin lorsque des manifestants ont été menottés. Lorsque l'argent des promoteurs infiltre et contrôle le palier municipal et l'Office de protection de la nature, et il y a un manque de transparence. La personne avant moi, Cindy Forster, l'avait demandé. L'électorat a l'opinion à l'occasion, lundi prochain, d'apporter une modification à cet état de fait. Déclaration des députés. Etobicoke Centre. Merci. Ce week-end, je vais participer au mémorial Hall des Morts à la place du Canada. C'est très important pour les Ukrainiens de Toronto qui a accueilli plus de 400 000 personnes d'origine ukrainienne. Pour ceux qui ne connaissent pas Hall des Morts, c'est le nom donné au génocide au moment de la famine en Ukraine entre 1932 et 1933. C'est important. Des millions d'Ukrainiens ont été victimes d'une famine créée par Joe Stalin, alors que 25 000 personnes sont décédées tous les jours. Ce mémorial sur le 85e anniversaire de Hall des Morts sera une place de recueil pour se rappeler les victimes du génocide des Ukrainiens et sensibiliser la population au Hall des Morts d'une histoire tragique de l'Ukraine. Le point saillant sera une sculpture pour se rappeler de l'enfance. Et j'espère que vous allez aller voir cette sculpture pour apprécier la vie humaine et toute la chance qu'on a de vivre dans cette magnifique province et dans ce magnifique pays. En tant que d'origine polonaise, pour moi, j'apprécie. Merci. Déclaration de député. Député des Jacks. Merci. Je suis heureux de souligner les efforts de la ville de Whitby pour appuyer le secteur technologique au centre de la ville. Il y a un écosystème de 12 entreprises qui emploient 500 personnes. Nous reconnaissons son importance. La ville a acheté de la province le bureau du registre foncier. Le but de cet accélérateur, c'est de combler l'écart pour les entreprises et créer d'excellents emplois. On met l'accent, et cet accent représente les investissements à long terme pour faire prospérer l'Ontario, que l'on appuie. Je félicite le maire Don Mitchell et les conseillers pour avoir eu la vision, l'importance d'une ville où les affaires sont très dynamiques, où le milieu des affaires, est très dynamique. Merci, député de Whitby.